En fait, il y avait un rapport très important au travers de ce conseil municipal. C'était la mise en place de la commission communale de services publics qui nous permettra d'examiner toute la procédure pour l'attribution du gestionnaire du parking. Je regrette que l'opposition ne soit pas venue, mais en même temps, je sais qu'il y a beaucoup de séances de travail ce soir, à la fois au sein de la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbes, mais je pense qu'ils auraient pu se faire représenter, c'est dommage. En tout cas, il y a un autre conseil municipal fin juillet, et j'espère que les élus seront présents de manière à remplir les missions qui sont les leurs au regard du mandat que leur a été confié par la population. C'est le fait que nous allons mettre en place cette commission qui montre bien qu'on avance sur le dossier du parking, puisque la municipalité va faire le choix de confier à un gestionnaire privé ce parking, et donc il faut pouvoir respecter toute une procédure notamment qui permet d'associer les consommateurs, et dans cette commission, l'Union des commerçants de Bastia sera présente, notamment lorsqu'on va aborder les questions de tarification et toute l'organisation qui va découler avec le plan de circulation de la ville. Donc c'était très important, je pense, qu'on puisse débattre à l'occasion de la mise en place de cette commission. Le débat n'a pas pu avoir lieu. Le débat a eu lieu avec, bien évidemment, les élus de la majorité qui, à plusieurs reprises, m'ont posé des questions très pertinentes. Je pense qu'on aurait pu avoir un échange contradictoire, mais je respecte leur choix. En tout cas, la ville de Bastia, nous avançons, nous travaillons. Nous travaillons parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'on ne peut pas rester dans l'attente. Il faut vraiment répondre aux questions que se pose la population. Il y a beaucoup d'animations à Bastia, vous le voyez, tous les soirs. Donc, on a besoin de ce parking. On ne va pas refaire le débat, mais je crois qu'avec le temps, tout le monde finira par comprendre l'utilité d'avoir réalisé un parking moderne comme celui qui va être mis en place. Il sera opérationnel en fin d'année. C'est une nécessité pour désengorger la ville et permettre à tous ceux qui veulent venir, parce qu'il y a des spectacles, il y a des animations, de trouver facilement à se garer. Vous avez vu très prochainement dans le cadre de juillet à Bastia, nous avons un certain nombre d'animations sur l'esplanade. Bastia va être une ville extrêmement animée cet été, donc il faut offrir aussi au travers de cet équipement une qualité de vie et puis éviter qu'il y ait cet engorgement avec tous ces véhicules qui contribuent aussi à polluer le chef-lieu, et tout ça nécessite qu'on puisse effectivement discuter, qu'on puisse avoir une information pour la porter à la connaissance de la population. C'est le rôle aussi de l'opposition d'échanger avec la majorité là-dessus. Maintenant, j'espère que lors du conseil municipal du mois de juillet, ils auront l'occasion de nous poser un certain nombre de questions sur effectivement la compétence, le rôle et le calendrier au travers de la mise en place de cette commission.